Salut tout le monde, c'est Dadou, comment ça va? Moi ça va super bien, une petite nouveauté que je veux vous faire découvrir, Store Simulator. Alors, on va se lancer dessus, donc clairement ben, on va créer une nouvelle partie. Hop, je suis en QWERTY. Paf, on va créer notre partie. Tu ne peux pas dormir avant la nuit, ça dépend pour qui. Good morning. Today is a very beautiful day for you. You completed the money for the market you've been wanting to buy for a long time last night. It's time to buy your dream. For that, you need to go to the bank first and withdraw your money. Donc voilà, bonjour aujourd'hui. Est une très belle journée pour toi. Tu as complété l'argent pour le marché que tu veux acheter depuis longtemps, la nuit dernière. Il est temps d'acheter ton marché de rêve. Pour cela, tu dois d'abord aller à la banque et retirer ton argent. Donc, la carte, ça sera sur M. Donc ça, c'est le niveau de population, niveau de popularité. Un niveau élevé attire plus de clients et génère plus de revenus. La vente de produits augmente les points, tandis que l'absence d'un produit souhaité fait baisser le point. Le niveau maximum peut être de 20. Ici, eh ben c'est notre dalle et notre énergie. Clairement, si on mange pas, on crève. Entre 8h et 21h, touche K. Donc, on va aller à la banque. Oui. Et ça va suffire, là, maintenant. Alors, on va chercher la map. Et la banque, elle est là. Là, pardon. Ça commence bien. Hop. On est où là? Ah, on est beaucoup trop loin. Ouais. Oui, voilà. On y est. À la banque, vous pouvez effectuer des transferts d'argent entre espèces et votre compte bancaire. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez emprunter à la banque une fois que vous atteignez le niveau 2. Mais rappelez-vous, si vous avez une dette envers la banque, vous ne pouvez pas passer au niveau suivant. Donc ça fait chier. Allez. Du coup, transférer en espèces, on va prendre les 10 000. Voilà. Pour pouvoir exercer des activités dans ce quartier, vous devez obtenir l'autorisation du maire. Vous pouvez voir l'emplacement de la mairie sur la carte. Donc, la mairie, elle est ici. Donc, on retourne de là qu'on est venu. Et puis, c'est comme ça, on va dire. Hop là, monsieur le maire, bonjour. Voilà. Donc, permis d'ouverture de magasin, on l'a obtenu. Et maintenant, acheter le marché. Donc, voilà, on va pas chercher sur la carte, puisqu'il est là. Je le sais déjà. On va acheter le marché. I'm happy that you bought the market. I hope everything goes as you wish. Now you can go to the market and start working by cleaning. By the way, I put a shelf in the market as a gift. I know it will be useful for your work. Donc je suis très heureux que tu aies acheté le marché, j'espère que tout se passera comme tu le souhaites. Maintenant, tu peux aller au marché et commencer à travailler en faisant le ménage. Au fait, j'ai mis une étagère dans le marché comme cadeau, je sais que ça te sera utile. Donc, on va aller à notre marché qui est là-bas, à l'autre bout, au bordel, ici. Store Simulator. Ensuite, l'embauche de l'employé. Les produits doivent être disponibles sur les étagères. Prenez l'argent vendu. Voilà. De façon d'ouvrir en ouvrant la porte. Ou en utilisant l'ordinateur. Attention, voleur. Certains clients viennent avec ça.
il y a des clés. Hop. On va fermer. On nettoie. Alors ça c'est bien, c'est le bon côté, c'est juste du pointé-cliqué. C'est... On va dire... Enfin c'est bien. C'est bien parce que ça va plus vite. Voilà. Donc on va changer le nom du marché. Notre argent. Capacité max. Transport du camion. Montant du panier. Il ouvre le panier. Voilà. Acheter la capacité de l'entrepôt. Pour... D'accord. On s'en fout. Pour l'instant, je veux changer le nom. Voilà. On va pas se faire chier. Le nom bien pourri chez Dadou. Récupère ta récompense auprès de la banque. Bon, faut retourner. Il fait chier ce qu'on. On ferme. C'est quelque part dans le coin. Voilà. On peut aussi courir. Et on peut sauter. On les prend. Voilà. Embaucher un caissier. Mais on va acheter à bouffer. Voilà. Tadun. Employé, caissier, entré, embauché. Voilà. Commander des étagères et des produits. Alors, commande. On va commander une étagère. Voilà. Ajoutager. Maintenant. Attends. Mais des produits. Donc on va acheter du gaufrette. Ça. On est à 2450. Au top. Commandez. Alors déjà, on va bouger ça. Voilà, c'est E. Tu peux les prendre 8 par 8. Voilà, hop. Chercher les autres.
Donc on y go. On met une deuxième étagère. Voilà. Hop. Ok. Donc là, pour l'instant, voilà, on met vraiment tout partout, clairement, hein. Voilà. Et maintenant, on va attendre. Out of stock. Out of stock. Wesh wesh. Oi. Voilà. J'ai loin. Hein. Eh, on va les bouffer, nous. Hein. C'est faim, là. Combien? 115? Allez. J'ai faim. Out of stock. J'ai une demoiselle. Deux étagères, ça fait pas baiser, enfin, quand même. Putain. Awesome. Oui, oui. 21. Combien coûte l'étagère déjà? Ouf. 350. Bon. Voilà, voilà. Magnifique. Passe. Ah, voilà. Bon, c'est contrôle. À moi, égale petite pute.
When will it come? Mais quand j'aurai de la place. En tout cas, j'étais au chou. C'est chiant, ils achètent un seul produit, mais oh, dans ma partie à moi, ils en achètent plus. Ah ben voilà, tu les as demandé. How much is it? J'ai envie de dire. Et là, le coup du... C'est parce que comme un grenade, j'ai oublié de fermer la porte à rien. Mais ça va, y a absolument personne. Il n'y a rien. Il n'y a rien de valeur, quoi, en fait. C'est pas bien dérangeant. Ah.
Donc ça reste un jeu tranquille, on va dire, bien sympa, clairement. Atteignez le niveau 2, votre score augmente, voilà. Puisqu'on a atteint, eh bien voilà, les 10 produits vendus. Good job. Ouais, merci. Il faut bien sûr penser à garder de l'argent pour les commandes, pour les produits à commander, s'il nous en manque. Thank you. Oh, d'accord. Et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Salope. Et chercher madame. Mais ouais, c'est petit à petit l'oiseau fait son nid. Je vais vraiment prendre ces gens. Parce qu'il n'y a plus de place, sale con. Mais voilà, faut vraiment qu'on arrive à trouver la bonne place. Tout ça. Ça peut être sympa. Honnêtement, voilà, moi j'y joue donc depuis très peu, puisque je l'ai acheté, je vous dis, il y a très peu de temps. Mais ouais, franchement, il fait plaisir, ce jeu fait plaisir. Moi je sais que je prends mon pied perso. Personnellement, je prends mon pied à y jouer. Voilà, c'est un jeu, t'es tranquille, tu fais ta petite tambouille, à l'aise, tu nettoies quand t'as des cassos qui mettent de la merde partout. Ouais. Et puis voilà. C'est full. Full. Eh, ta gueule. Et pris de où? Celle-là? Yes. Basquel. Et voilà, ça c'est les capacités, les compétences du moins. Capacité du camion, niveau 3, etc. Donc voilà. Quand vous atteignez des niveaux, en fait, ça vous débloque les capacités, donc en appuyant sur K. Et clairement, voilà, c'est des améliorations qui sont bien sympas, honnêtement. Et puis voilà, ça donne un but, là, c'est pas vraiment. Allez, comme un gros gogol te fait ça. Non. C'est sympa.
C'est un jeu qui détend, moi je dis, c'est sympathique. Good job. Ah bah merci Gaby. Alors. Pêcher. Thank you. You're welcome. Allez, et bientôt l'heure de fermage. Fera 13. Et voilà, c'est l'heure de la fermeture. Donc ben voilà, comme vous l'avez vu, franchement, c'est un jeu, ben voilà, c'est franchement pas du haut niveau, au niveau graphique et tout ça. Mais ça reste franchement sympa, moi perso, ben j'aime bien. C'est le genre de jeu qui détend, tout ça. Donc là, ben, on va rentrer à la maison. On va rentrer chez nous, tranquille. Parce que, ben, ouais, on dort pas dans le magasin, faut rentrer chez nous. Ouais. Donc, notre maison, eh ben, elle est juste là. Hop. Donc là, ben, tu peux apprendre à cuisiner. Alors, je sais pas comment. Je sais pas encore comment. Mais en tout cas, voilà. Oh, et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, les décors ils sont sympas quand même. T'as le piano, t'as la douche, les chiottes, le machin, le truc. Enfin voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc on va aller dormir. Et puis ben, c'est l'heure de se quitter. On continuera donc ben, à la prochaine vidéo. On va continuer. Voilà, on va faire des vidéos comme ben, comme les autres. Tu vois, jour 1, jour 2, jour 3, machin. Ben, déjà, c'est clair que je me fous pas pour le titre, mais c'est clairement ce que c'est. Donc voilà, je m'en fous. J'ai pas besoin d'un titre extravagant, le truc dont je me tape complet. Et moi, et ben voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Donc je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Il y aura quelques autres nouveautés. Normalement. Donc en attendant, ben, prenez soin de vous surtout. C'est le plus important. Passez une excellente journée. Ciao ciao.